Christine et Aude dormaient chez Serge. Et il leur avait passé un petit film, il les avait couchés, bordés, comme ses enfants en fait. Et quand le film s'est terminé, elles ont commencé à s'endormir, donc il les a recouvertes. Et lui s'est carrément couché par terre. Il a vraiment au sol, quoi, sur la moquette. Et les filles, en fait, elles l'ont recouvert pour pas qu'il ait froid. Et en fait, ça l'a tellement touchée, ça l'a vachement émue. Et elles l'ont entendu pleurer d'émotion suite au geste des filles. Donc moi, c'est l'histoire que je préfère, c'est la plus touchante et qui en dit long, je pense, sur la sensibilité de Serge Gainsbourg. Ouais. C'est un petit peu sulfureux, mais on y va. C'est lui. Donc l'histoire de celui-ci, c'est les filles. En fait, il y avait Aude, Anne-Christine, et la cousine d'Anne-Christine qui dessinait super bien, qui est d'ailleurs encore artiste. Et en fait, elles avaient fait un dessin de bambou se faisant prendre par différents garçons. Et Serge, bien sûr, a détesté ce dessin-là. Il a tendu un chiffon en disant « Maintenant, faut nettoyer. Ça, c'est on touche à l'honneur de bambou. » Donc les filles se sont mises à gratter le sol avec le chiffon de Serge. Donc ça a valu quand même une petite gronde de M. Gainsbourg. Ouais. Ouais. C'est une anecdote plutôt mignonne. Il emmenait souvent les filles au restaurant et souvent il aimait commander des œufs de taille. Et quand on lui apportait les œufs, il faisait toujours cuit, 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 cuit. Donc j'ai fait un petit Serge dans l'œuf, en fait. J'ai adoré faire ça. Voilà. Je suis Laurent Blot, je viens de Nantes et j'ai 59 ans. C'est quoi votre plus beau souvenir culturel? Lorsqu'on le découvre, donc c'était la première fois, donc en 2019. Et c'est surtout même la première journée quand on commence à chanter dans le gymnase. Les chansons tout seul. Et là, on l'entend chanter par 800 personnes. C'est une émotion. C'est pour ces émotions hein, qui ont le paroxysme au moment du concert, mais... C'est vraiment des rencontres et puis chanter ensemble, ça fait un bien fou. C'est mieux sec et puis Serge Gainsbourg, on le connaît tous, hein, mais c'est vrai qu'on apprend à découvrir les chansons quand on veut le chanter et quand elles sont harmonisées. On fait attention aux paroles alors que d'habitude on les chante juste comme ça pour se faire plaisir. Et là on fait vraiment attention aux paroles et puis on découvre donc les chansons. Ah oui, c'est genre. Waouh! Enlève ça. Oui, je vais enlever ça. Super journée. Super journée dans les transports. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué de venir à Troyes, quand même, faut se le dire. Donc apparemment, il y a des problèmes de train tout le temps. Et je des ne bouchons. Savais pas, si j'avais su. Et des bouchons partout et des petits déluges sympas. Non, mais on est trop contents d'être là. Ah ouais, trop bien. Ah bah justement, c'est encore plus. Bah oui, du coup. Ah bah de toute façon, si on n'avait pas envie de venir à ce point-là, on n'aurait pas fait ce périple. C'est dire à quel point on est contente vraiment d'être arrivé et qu'on voulait venir ici. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui te représente? Alors, bah, 2013, wow. C'était notre toute première scène en tant que LEJ, du coup. Et c'était avec le groupe Trio, qui était les parents de l'édition du festival. Ouais, en fait, c'est là qu'on a mis un vrai pied dans la scène de la musique actuelle. Parce qu'avant, on faisait des concerts de musique classique, on avait déjà chanté dans des théâtres devant des milliers de personnes, mais en musique classique, debout, avec nos partitions, dans un chœur, etc. Et en plus, L.E.J. n'existait pas en vrai en 2013. Enfin, c'est nous, toutes les trois, oui, on existait déjà, on faisait déjà de la musique ensemble, mais on n'avait pas encore de groupe, on s'était pas dit on va faire un groupe. C'est après Troyes et après cette scène-là, quand on est ressorti de scène et qu'on s'est dit mais en fait c'est chez nous ici, on veut rester sur scène toute notre vie, c'est après Troyes que L.E.J. est né. Donc c'est grâce au Nuit de Champagne qu'on est là, hein, clairement. Ouais. Ah
bah si, mais on sait que ça va être beau. Enfin, on se souvient de la claque qu'on s'était prise quand on avait entendu les chansons avec le cœur. Et ces 800 personnes, c'est incroyable. Et puis en plus, enfin nous, qu'on a été à la maîtrise de Radio France, du coup, on a chanté dans un chœur quand on était toute notre enfance, adolescence. Et du coup, ça, enfin, il y a un truc qui se passe. Il y a un tel partage en fait quand t'es sur scène avec autant de monde. Mais déjà avec les musiciens, c'est un kiff. Comment c'est vrai qu'on est tout le temps toutes les trois, on fait tout toute seule, on fait tous les instruments sur scène. C'est vrai que les moments où d'un coup on se repose sur un groupe de musiciens, puis des musiciens comme ceux-là en plus, excusez-moi, quand même. On est tout de suite genre oh, c'est bien tout de suite. Non, mais c'est en fait c'est un côté hyper Madeleine de Proust en fait. Ouais. C'est genre même de se faire diriger par un chef de chœur et tout. Enfin ça nous, enfin moi en tout cas ça me parle trop quoi. Ouais, j'adore. Oui. Moi j'ai hyper hâte. Bizarrement, je pense que je suis la moins stressée des trois à ce niveau-là. Mais c'est juste parce que j'ai tellement confiance en elle et en ce que tous les autres vont faire que je me dis ça va être trop bien. De toute façon ça va être trop bien. Et en vrai je me dis surtout mais j'ai tellement hâte du jour. Oui, pourront chanter nos chansons. Ah, je rêve de ce jour, vous savez même pas à quel point. La première fois que je les ai entendus, quand ils avaient chanté, c'était Apocalyptico-Dramatique de Trio, j'étais dans la salle, j'ai pleuré tellement c'était puissant. Je me suis dit, mais je veux ça, c'est incroyable, je veux ça. Les arrangements sont ouf, les chefs de chœur sont monstrueux, les musiciens aussi. J'avoue, ça m'a envie de mettre sur des paroles. Quel sentiment, quel début, une Bah du coup là oui, j'avais pas du tout conscience de ça en fait jusqu'à ce que tu le dises là maintenant. Non mais puis en plus c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps trop de se... Enfin parce qu'en fait on a été prévenus il y a 2 semaines qu'on allait venir et tout, donc ça a été fait un peu plus. Ouais mais en tout cas c'est fait un peu quand même dans l'urgence. Ouais en tout cas bon, le temps passe vite alors. Mais il y a un truc qu'on n'a pas réalisé vraiment. Enfin là je pense que demain vraiment je vais me prendre une claque. Ouais. Je pense qu'on va pleurer un peu en vrai. Bon, on verra mais... Ouais. Oui, il y a moyen. Bonjour et bienvenue au comptoir des Halles, place Saint-Rémy à Troyes, pour notre dernier jour de livraison de chansons. À domicile, nous sommes offrés une chanson comme une fleur, un service de livraison de chansons à domicile pendant le festival des Nuits de Champagne. Nous sommes aujourd'hui pour notre dernier jour, pour le rendez-vous quotidien de l'Est Éclair. Vous avez choisi Everybody Needs Somebody. C'est parti! Comptoir des Halles ce matin pour notre dernière journée et j'espère que vous êtes chaud. Est-ce que ça va le comptoir des Halles? On était ravis d'être là pour le festival Les Nuits de Champagne à Troyes et on continue, on s'envoie le truc, on est là, vous êtes réveillés, vous êtes là, vous êtes chaud. C'est parti. 1, 2, 3 et Everybody needs somebody. When my baby mistreats me, never, never, never have a place to hide in you. Sans que je présente l'équipe de folie, l'équipe du feu de Dieu. Regardez-moi comment ça swing par ici. On a la championne de la rotule métronomique, subaquatique, transformatique, la jeune et talentueuse Marie Ménière. Juste à côté
écoutez, regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est incroyable. On l'appelle la poupée russe, il est démembré, il danse, il swing, il sait tout faire, il a même monté l'Everest en tongs, c'est incroyable. Louis Lefebvre, s'il vous plaît, le gagneur, vous arrive. Et attention ici, alors là, regardez-moi cette élégance, cette grâce, cette classe. Elle est le sosie officiel de Charles Aznavour en Turquie. Oui, c'est très étonnant. Anne Longlia, s'il vous plaît. Et pour vous, ce soir, aujourd'hui, notre improvisateur hors pair, notre guitariste préféré, notre tortue, Monsieur Benjamin Forger, s'il vous plaît. Everybody, meet somebody. Everybody, meet somebody to love. Everybody, somebody loves. Sweetheart, please. Everybody, sugar keys. Sugar keys. I need you, you, you. 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 I need.